Qu'est-ce que vous fabriquez ? Je dois vous le dire, Harry n'est plus là. L'autre et le symbiote ont entièrement fusionné. Je trouverai un moyen de le sauver. C'est impossible. Mais vous pouvez encore arrêter le symbiote. Comment ? En tuant son hôte. Je vous en supplie. Sauvez mon fils. Que moi, j'imagine. De nombreux habitants de New York se font attaquer par ces choses. Je m'en occupe. Faites attention à vous. Il lui manquait plus que cette météorite. Non, il peut guérir le monde. C'est pas ce qu'on avait en tête.
En tout cas, pour l'instant. Oh mon Dieu, merci. C'est décidé, New Jersey, me voilà. Ces gens sont en danger. Bougez pas! Les symbiotes sont prêts à absolument tout pour entrer. Gardez votre calme! Je m'occupe de ça! Non. Partez! Je peux pas! Cette zone est dangereuse. Si vous n'avez nulle part où aller, le Fist vous accueillera. Merci, Spider-Man. J'ai eu la peur de ma vie. Nice. Il faut qu'on parle. Tu m'étonnes. Il y a des nids qui surgissent un peu partout. Je t'envoie les coordonnées. Bien sûr. Fais gaffe à toi, surtout. Ce truc, c'est du délire. Harry. Je te retrouverai, mon pote. Je te retrouverai! Quelque part! Ta tenue, c'est pas un extraterrestre. Il est temps que Miles Morales ait son propre style. Quelque chose d'unique. Ça rend bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Harry a pris la météorite. J'ai pas pu l'arrêter. Connors dit qu'on peut pas le sauver, qu'il faut qu'on... Mais je veux pas le perdre, Miles. Je peux pas revivre ça. J'ai vu May quand j'étais... dans ta tête. C'est pas ta faute, Pete. Elle voulait te sauver. Sauver tout le monde. Elle pensait qu'aux autres. Même quand elle était à bout de souffle. Si May... mon père... S'ils étaient là, ils voudraient qu'on arrête de penser à eux. Ils voudraient qu'on aide les autres. Qu'on se batte. Harry peut être sauvé. Et on va se battre pour le récupérer. À vos ordres, coach. Alors, faut qu'on se sépare pour couvrir plus de terrain. Tu trouves la météorite, et moi je nettoie les nids. Entendu, Spider-Man. Mieux de s'y mettre. Je dois le dégager et passer au suivant. Ça y est.
Par ici, Miles. Attends, d'où est-ce qu'elle vient, cette voix? Je ne les laisserai pas atteindre le cœur. La météorite. Elle est sous la station de métro de Harlem, à côté du pont. Ouais, je suis en route. Attends-moi, par contre. Harry, il en a après toi. Je dois aller aider Hailey. Mais attends, d'accord? Oh, minute. Raconte-moi. J'ai été aspiré dans l'esprit de Ruche. J'ai une vision de la météorite, sous terre. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu crois qu'Harry est là-bas? Je plaisante pas, Pete. J'en ai seulement pour 10 minutes. T'y arriveras pas tout seul. Bon, appelle-moi quand t'es prêt. Désolé, Miles. Et j'ai pas de temps à perdre. Voilà l'entrée du métro. Miles doit avoir raison. C'est là qu'est la météorite. Je jure que je libère ce pont. Restez tous dans vos voitures. Je vais m'occuper d'eux. Harry! Madame! Je sais que t'es là! Tu nous as trouvés. Ouais!
mon pote. Je sais, je sais. C'est bon, j'arrive. Elle est hors de danger? Pas encore! Mais je dois te faire attendre encore un peu! Bouge pas! Ailey! Non! Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu... T'es incroyable. Je t'aime vraiment beaucoup, et je crois que tu m'apprécies. Ça te dirait qu'on sorte ensemble? Genre, un rencard? Ça veut dire oui. Ok. Alors c'est noté. Mais seulement quand tout ça sera enfin terminé. C'est Harry, laissez un message. Salut mon pote. J'ai parlé au docteur Connors et... Il dit qu'on peut plus te sauver. Et je sais que c'est faux. Harry... J'ai merdé. J'ai été le pire des amis. Ton rêve. Notre rêve. Guérir le monde. Je suis désolé. Es-tu enfin prêt? Harry...
Je peux pas. Je veux juste aider Harry. Non. Spider-Man, t'es où? T'es descendu? T'avais raison. C'est sûrement ici. Il doit... Désolé, je pouvais pas. Ouais, t'inquiète. Je vais trouver un moyen d'entrer. Tout va bien se passer. Tout le monde va s'en sortir. Cette météorite, d'accord? Miles, je vois pas de cailloux. Ah bon? Attends, je suis pas loin de toi. Merci d'être venu, Pete. Nous voulons te montrer quelque chose. Où est la météorite? MJ, faut qu'on se rejoigne tous chez May. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Le symbiote est arrivé ici dans une météorite. Et il s'en sert pour transformer la ville. Je sais où elle se trouve. Et on va la voler. Faut trouver une stratégie. Ça marche. À tout de suite. Auditeurs, je vous en conjure, restez chez vous. Fermez vos portes à double tour, barricadez-vous à l'intérieur et surtout, ne faites confiance à personne.
La ville est envahie de filaments géants qui surgissent de terre et donnent vie à des créatures infernales dont le seul but est de nous capturer et de nous transformer pour prendre notre place. Ne leur laissez pas cette chance. Le gouvernement ne fait rien, mais mes auditeurs les plus fidèles ont envahi les forums pour trouver un signe de faiblesse chez ces créatures. Nous allons donc devoir nous défendre nous-mêmes, car nous savons bien que les Spider-Man ne nous seront d'aucune aide. Et si les événements de cette semaine ont prouvé quelque chose, c'est que les héros ne font qu'empirer la situation. Quoi qu'il en soit, chers auditeurs, restez en sécurité. Nous traverserons cette crise ensemble. New York ne se rendra pas sans cela. Et je serai là, au front, à vos côtés. Bonne chance, et je l'espère, à bientôt.